Chacune, à chacun, bienvenue encore sur ce nouveau partage de l'Évangile. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ce titre, nous allons ensemble partager cette parole qui nous dit que Jésus apporte la vraie liberté. Voilà, c'est vrai, un message d'espérance pour tous, parce qu'on peut être lié par toutes sortes de choses, et on va le voir notamment par le péché aussi, mais il y a une espérance, parce que Jésus apporte la véritable liberté. Alors lisons ensemble cet enseignement de Jésus qu'il va donner aux Juifs et à ceux qui l'entouraient dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et il va nous montrer comment finalement avoir la vraie liberté et qu'est-ce qui nous tient esclaves dans ce monde. Alors nous lisons ensemble Jean, chapitre 8, et à partir du verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou la vérité vous rendra libre.
Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, le Fils de Dieu, donc Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites donc les œuvres de votre père. » Et ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. » Voilà donc Jésus qui nous enseigne une vérité importante de la parole de Dieu. Une vérité que vous pouvez retrouver dans toute la parole de Dieu. Et il nous dit que c'est lui vraiment qui apporte la vraie liberté. Et nous avons vraiment ce verset central qui nous dit, « Si donc le Fils vous affranchit, Jésus, vous serez réellement libre. » Alors oui, Jésus parle de la vraie liberté. Mais remarquez aussi que Jésus ne parle pas de la liberté dans un sens humain. Parce qu'il dit bien « réellement libre ». Mais il parle d'une liberté bien plus grande, c'est celle en fait qui vient de Dieu, une liberté qui est divine. Et regardons d'abord en quoi l'être humain aujourd'hui n'est pas libre en dehors de Jésus, en dehors de la vie de Dieu. Parce que nous voyons en fait que la condition de l'homme dès l'origine et l'esclavage. Et c'est ce que Jésus va dire. Il va dire dans Jean 8, 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voilà, c'est vrai, une réalité dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et c'est vrai que l'homme, l'être humain, est esclave du péché. Et alors, s'il est esclave, il a besoin qu'on le rende libre. Il a besoin de quelqu'un pour lui donner la liberté. Jésus, vous voyez qu'il ne fait pas de politique ici. Il ne parle pas d'un esclavage physique, mais il parle bien d'un esclavage bien plus grand, un esclavage bien plus grave même, qui est spirituel en fait, et qui est la conséquence aussi du péché dans la vie de l'être humain. En fait, Jésus montre que celui qui se livre au péché, celui qui commet le péché de façon habituelle, qui même va le banaliser, qui va vivre dans le péché comme si c'était normal, eh bien il se rend par cela, esclave du péché. Il vit comme dans un esclavage. Il pense être libre de faire ce qu'il veut, l'être humain. Il pense pouvoir se donner à toutes sortes de plaisirs, humains et éphémères. Mais en fait, il ne connaît pas la vraie liberté, il vit vraiment en esclavage, un esclavage spirituel. Et quand on est esclave de la sorte, en fait, on est maître de rien. On pense pouvoir contrôler notre vie, on pense pouvoir faire ce que l'on veut, mais en fait, on est maître de rien. On est poussé à faire des choses même qu'on n'aimerait pas faire intérieurement. L'apôtre Paul va vraiment décrire cet esclavage qui est lié à notre nature pécheresse, et il va dire alors dans Romains 7, il va dire « ce qui est bon, je le sais ». Et oui, nous connaissons ce qui est bon. Et ce qui est bon alors n'habite pas en nous, en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est vrai que l'être humain, par nature, a plus de facilité à faire le mal, même s'il sait que c'est mal. Un enfant a plus de facilité à se tourner même vers le mal, alors que finalement, il sait ce qui est bien et ce qui est mauvais.
Et l'apôtre Paul montre vraiment que, en fait, le problème, c'est que le péché habite dans l'être humain. Et ce péché, ça regroupe vraiment toutes les choses que Dieu ne veut pas en nous, que Dieu n'aime pas même, que des choses qui déplaisent à Dieu. Parce que oui, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, peut-être dans votre vie. Et il faut savoir aussi réfléchir à ces choses devant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle ce qu'est le péché et ses conséquences dans notre vie. On peut même avoir la volonté de faire le bien. On peut même savoir ce qui est bien. Mais quand on est esclave de la sorte, ce n'est pas suffisant de vouloir. Mais il faut se remettre à Dieu pour pouvoir aussi le faire. On peut même penser ici comme les Juifs qui parlaient à Jésus. Ces Juifs pensaient qu'ils étaient les fils libres d'Abraham. Ils disaient, nous, on ne peut pas être esclaves, on vient d'Abraham, on est fils d'Abraham. Pourtant, eux aussi, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves d'un point de vue spirituel. Bien sûr, pas physique, mais spirituel. Et c'est vrai qu'on peut même être né dans une bonne famille religieuse. On peut même avoir lu la Bible depuis tout petit. On peut même être allé à l'église avec nos parents depuis tout petit. Avoir reçu cet enseignement spirituel, religieux. Et pourtant, cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés de cet esclavage pour autant. Parce que nous ne sommes pas sauvés de cet esclavage par les autres. Parce que quelqu'un a cru à notre place. Mais en fait, l'esclave du péché, il est individuellement. Nous sommes esclaves individuellement devant Dieu. Et même chacun est responsable personnellement devant Dieu. Quand Jésus reviendra, et qu'alors ce sera le temps du jugement aussi, eh bien, lors du jugement, chacun sera responsable devant Dieu de ce qu'il a fait. Chacun se présentera devant Dieu. Personne ne se présentera à votre place, mais c'est vous personnellement qui vous présenterez devant Dieu. Alors oui, on est responsable devant le Seigneur. Les Juifs étaient donc esclaves du péché, malgré, on peut le dire, leur passé si riche, avec des hommes quand même comme Abraham, comme Noé, comme Moïse, des hommes vraiment de foi. Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils avaient des hommes de foi dans leur lignée qu'ils étaient sauvés pour autant. Ils étaient malgré tout eux-mêmes esclaves du péché. C'est bien ce que nous voyons dans les propos même de l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 2, 19, il va dire que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun. Donc oui, ça renvoie vraiment à notre personnalité ici. Ce n'est pas les autres qui nous rendent esclaves, mais c'est chacun personnellement. Quand on laisse quelque chose triompher de nous, comme le péché, eh bien on se rend esclave du péché. Et alors, comme Jésus le dit, on a pour père le diable. Oui, c'est une parole forte, une parole terrible. Mais il dit à ces Juifs, vous avez pour père le diable parce que vous vivez dans le péché. Vous placez même en ennemi de Dieu. Et comme un fils va imiter le caractère de son père, celui qui a pour père le diable imite le caractère du diable, qui est menteur, qui est le père du mensonge, c'est ce que nous dit Jésus, qui est meurtrier dès le commencement. Alors oui, c'est vrai, celui qui marche de la même manière dans le péché est fils du diable, et c'est une parole terrible, c'est vrai, mais une parole où Jésus veut y remédier aussi. Et alors, on devient aussi esclave de la même manière. L'esclavage du péché, c'est vrai, est une réalité. Et on le voit aussi de façon concrète dans notre monde. Parce qu'on parle de cet esclavage spirituel qui a aussi des répercussions sur notre vie physique. Quand on voit les personnes qui sont liées par l'alcool, par exemple, les personnes qui sont liées par la drogue, par toutes sortes de choses, comme des addictions même. En fait, ce ne sont que des conséquences de cet esclavage bien plus grand du péché. Et alors, ça a des répercussions sur leur vie physique. Et c'est vrai que certains vivent ces choses dans leur vie. Mais même si vous vivez lié par toutes sortes d'addictions, même lié par des puissances spirituelles, eh bien, croyez-le, Jésus veut vous apporter vous aussi, à vous aussi, la liberté, la vraie liberté aujourd'hui. Le Seigneur l'a déjà fait. Il a déjà libéré des gens qui étaient tenus par l'alcool, des gens même qui étaient possédés, et il l'a fait dans la parole de Dieu. Parce que, oui, Jésus délivre aujourd'hui. Peut-être alors, quand on voit tous ces esclavages-là, vous vous dites, mais en fait, il n'y a pas d'espoir pour moi. Parce que c'est vrai que si on regarde autour de nous, on regarde à ce monde, on peut se dire, mais oui, il n'y a aucun moyen de s'en sortir par nous-mêmes. Et l'apôtre Paul, quand il fait ce constat de sa vie, il va le dire, il va dire, mais misérable que je suis. Ah oui, il voit le poids de sa misère finalement, parce qu'il voit cette nature qui était en lui. Il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors comme lui, c'est vrai, on peut ressentir toute notre misère face à ce que nous venons de partager, face à ce péché, face à cet esclavage spirituel.
On peut même dire, mais qui me délivrera, comme l'apôtre Paul, mais qui me délivrera? Pourtant, c'est vrai, même si personne ne peut vous délivrer, eh bien oui, c'est un message d'espérance que je veux vous redire, parce que oui, c'est la vérité. Jésus seul peut vous sauver et Jésus seul peut vous libérer de tout esclavage ici-bas. Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, il a annoncé différents buts de sa venue. Il a dit qu'il est venu pour sauver, et il est venu pour vous sauver de la mort éternelle et non pour vous juger. Mais il nous dit aussi quelque chose encore de son but, de sa venue, en reprenant les paroles du prophète Ésaïe, qu'il va s'attribuer finalement à lui-même. Et il va dire alors, dans Luc 4, verset 16, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que oui, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Il est venu pour vous aussi, pour proclamer à ceux qui sont prisonniers la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. Alors oui, Jésus est venu pour tous, pour vous, pour moi, pour chacun. Il est venu pour nous, le Seigneur. Et alors, oui, Jésus apporte cette bonne nouvelle, l'évangile, il l'apporte encore aujourd'hui. C'est lui qui sauve, c'est ça la bonne nouvelle. Il sauve encore aujourd'hui, par laquelle on peut être sauvé, guéri. Il apporte la délivrance, la liberté. Et il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus vous affranchit aujourd'hui, vous connaîtrez la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, de faire ce que l'on veut dans ce monde, ni de goûter à tout ce que le monde peut nous offrir, tous ses plaisirs, tout ce que le monde appelle plaisir. Mais la vraie liberté, c'est de connaître la vie en Christ. C'est de le suivre. C'est de nous soumettre, en fait, à sa volonté. Voilà la vraie liberté. La liberté que Jésus veut pour nous, c'est le suivre chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est pour cela que Jésus vous appelle aujourd'hui. Il vous appelle à la liberté. Il vous appelle à vivre libre dans ce monde, vivre libre spirituellement aussi. Alors oui, Jésus est venu, et il est venu vous apporter la liberté, qu'importe en fait vos combats, qu'importe votre passé, mais à vous aussi. La Bible nous montre que Jésus est venu en fait pour mourir sur une croix à notre place. Il est venu pour mourir afin de nous apporter, c'est vrai, la liberté, mais mettre fin aussi à notre esclavage. À la croix, Jésus s'est donné pour chacun entre nous. Et pour vous aussi, il s'est donné, le Seigneur Jésus. Et il s'est écrié à la croix, alors qu'il était prêt à donner son dernier souffle, il a dit « Tout est accompli ». Et pour vous aussi, il l'a dit, Jésus l'a dit, tout est accompli. Il a accompli, c'est vrai, le plan de Dieu en mourant pour nous à la croix, en accomplissant ce plan d'amour où le Seigneur voulait nous sauver. Et il a aussi tout payé à la croix pour nous. C'est cela que ça veut dire. Jésus a tout payé pour nous à la croix. Il a payé le prix fort, il a payé le prix de notre dette pour nous rendre libres. Nous ne pouvons pas payer notre dette, nous ne pouvions pas payer la rançon. Mais Jésus l'a payé pour nous. Jésus a payé à la croix. Nous étions perdus, nous étions emprisonnés dans notre péché, mais Jésus a payé le prix pour nous. Et la Bible nous le dit, par deux versets, on va les lire ensemble. La Bible nous dit, dans Éphésiens 1, elle nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous sommes rachetés par son sang. La rémission des péchés, ou le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Et un autre texte de l'apôtre Pierre ajoute, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alors oui, le Seigneur est mort à la croix pour nous, et c'est par son sang qui a coulé à la croix que nous sommes libres et rachetés. Jésus n'est pas venu avec de l'argent ou de l'or pour payer la dette. Parce que l'argent ou l'or ne pouvait rien faire. Même les plus grandes richesses du monde ne pouvaient rien faire. Mais il est venu avec quelque chose de plus précieux. Il est venu apporter son sang. Son sang a coulé et il est pleinement efficace pour effacer tous nos péchés. Son sang est efficace parce que, comme nous l'avons lu,
Jésus est un agneau sans défaut et sans tache. Et parce qu'il est sans défaut et sans tache, alors son sang est puissant pour couvrir tous nos péchés et nous apporter la liberté. Jésus montre même, dans la parole de Dieu, sa puissance et sa puissance sur les ténèbres et sur ce monde des ténèbres et même sur les puissances des ténèbres. Et on le voit durant son ministère. Et je crois que c'est un message d'espoir pour vous. Si vous êtes liés par toutes sortes de choses, eh bien, Jésus est puissant pour vous délivrer, vous aussi. Il l'a fait durant son ministère. On l'a dit juste avant, il libère les gens possédés. Il libère toutes sortes de gens. Et il le fait aujourd'hui. Et il montre même que les démons, le diable, n'ont aucun pouvoir sur lui. Mais par la croix, là encore, il les a vaincus. Il a dépouillé les dominations et les autorités ténébreuses en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, le diable est vaincu. Et par la croix, notre Dieu est vainqueur et vous pouvez sortir aussi victorieux de votre situation aujourd'hui. Alors, le rachat de nos âmes est possible par la puissance de la croix. C'est racheté, alors ceux qui l'acceptent dans leur vie deviennent enfants de Dieu. Non plus enfants du diable, mais enfants de Dieu. Ils deviennent fils du Seigneur. Ils deviennent gens de sa maison, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors si Dieu a fait sa part, en donnant son Fils bien-aimé à notre place sur la croix, pour notre rançon, pour payer notre rançon, il nous faut aussi faire notre part et saisir la liberté offerte par Christ. Jésus parle à ces Juifs là de la vraie liberté. Mais finalement, quand on voit les Juifs en général qui vont confronter Jésus, on voit que beaucoup vont le rejeter. Beaucoup vont ne pas croire en sa parole. Beaucoup vont penser que ce n'est qu'un prédicateur parmi tant d'autres, que ce n'est même pas le Fils de Dieu, qu'il n'apporte pas finalement la liberté. Beaucoup vont rejeter alors que Jésus leur apporte la liberté. Pourtant, le Seigneur vous tend la main et nous tend la main à tous encore aujourd'hui. Si nous l'avons rejeté jusqu'ici, si vous l'avez rejeté jusqu'ici, le Seigneur vous tend cette main qui est prête de vous secourir. Jésus, eh bien, vous a donné la capacité d'accepter ou de refuser en fait cette aide de Dieu pour sortir de cet esclavage. Jésus a payé le prix. Alors oui, vous pouvez sortir de cette prison. Il ne s'agit pas de rester dans la prison, mais les portes sont ouvertes. Jésus a payé le prix. La rançon est payée. Alors c'est à vous maintenant de sortir. C'est à vous de venir à la suite de Jésus. Bien qu'esclaves, c'est vrai, nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes esclaves, mais nous sommes libres de choisir parce que Jésus, Dieu nous a fait don du libre arbitre. Vous êtes libres de choisir pour saisir la liberté offerte et accessible du Seigneur. Alors voilà ce que Dieu vous demande. Placez votre foi en lui. Acceptez-le comme votre sauveur. Acceptez son sacrifice à la croix pour vous. Acceptez-le comme votre Seigneur. Faites de lui, en fait, le maître de votre vie. Refusez de continuer de suivre ce chemin, de continuer de suivre le chemin que le diable a tracé devant vous, mais venez à la suite du Seigneur. Changez de chemin, suivez le Seigneur. Et alors, comme Jésus l'a dit, demeurez dans sa parole. Demeurer dans sa parole signifie obéir à ses enseignements, vivre la parole de Dieu en la mettant en pratique et en faisant ce que Dieu demande. Et pour cela, alors, c'est vrai qu'il faudra parfois aussi se séparer de certaines choses. Se séparer de choses qui déplaisent à Dieu, de choses que l'on appelle le péché, et qui sont aussi le péché dans notre vie. On doit s'en séparer pour vivre la vie de Dieu, pour demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer, ce n'est pas seulement de la vivre une fois dans notre vie, de façon ponctuelle, mais c'est y rester de façon permanente. Et voilà ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut que vous puissiez demeurer dans cette parole, vivre cette parole bonne pour vous, chaque jour de votre vie, que vous puissiez vous engager à suivre Dieu, à compter sur son secours, parce que même si c'est difficile, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Dieu vous secourt aujourd'hui, et il vous donne les capacités même pour le suivre, et pour marcher pas à pas jusqu'au bout, à sa suite. Alors aujourd'hui, venez à Jésus. Jésus vous délivre, Jésus peut vous délivrer, aujourd'hui. Il brise tout lien, il brise les chaînes qui sont sur votre vie. Parce qu'il en est capable, parce qu'il est le Tout-Puissant, eh bien il le fait. Alors priez-le là où vous êtes et croyez que le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, c'est vrai, nous voulons te dire merci. Parce que la liberté, c'est toi qui la donnes. Tu fais don de cette liberté à nos amis qui sont là, derrière leur écran, Seigneur mon Dieu.
Merci, mon Dieu, parce que, oui, tu tends encore cette main aujourd'hui, parce que tu es patient envers chacun. Tu es patient envers tous pour que tous puissent te suivre, pour que tous puissent être sauvés. Alors, mon Dieu, je te prie que tu puisses sauver encore aujourd'hui. Tu vois ceux qui te prient, tu vois ceux qui ont ce désir de te suivre maintenant. Alors viens répondre à leurs prières, Seigneur. Viens leur permettre de voir ta main sur leur vie, d'être libres réellement, de goûter à la vraie liberté, Seigneur mon Dieu. Tu leur donnes de aussi voir tous ces liens qui peuvent être sur leur vie au niveau physique, Seigneur mon Dieu. Eh bien, être déliés par toi, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses enlever tout lien, Seigneur mon Dieu. Parce que oui, tu es puissant pour le faire et je crois que tu vas le faire maintenant. Alors merci mon Dieu, merci pour les prières que tu exauces maintenant, les prières de tous ceux qui te prient maintenant. Merci mon Dieu pour ce que tu feras et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié Jésus. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais.